Les Vosges, un endroit où il fait bon vivre, où l'on choisit de rester, voire de venir s'y installer. En octobre dernier, du côté de Remiremont, une quinzaine de familles habitant aujourd'hui en dehors des Vosges avaient découvert notre territoire à l'invitation du conseil départemental. Illustration du combat mené par la collectivité pour maintenir sa population, qui chaque année diminue de 1700 âmes. Le cadre de vie et la diversité des emplois sont pourtant certains de ses points forts, des éléments d'attractivité qui seront évoqués ce mardi lors d'une soirée spéciale au centre des congrès d'Épinal. On sait les Vosgiens fiers de leur territoire. Mais cela ne nous dispense pas de ne pas enfoncer le clou. Et si on veut être crédible dans le temps, encore faut-il que régulièrement on se pose pour mettre en valeur tous les atouts de notre département. Des éléments sur lesquels Jacques Legros posera son regard d'expert des territoires. Le présentateur joker du JT de 13h de TF1 a également animé de 2013 à 2017 l'émission Terre de France. C'est un cadre de vie propice à la promenade, aux loisirs, aux enfants. C'est des enfants qui grandissent en ville. Moi, ma fille aînée a grandi à Paris et mon fils a grandi dans le Bordelais. Rien à voir. Il a eu une vie, il a eu une enfance qu'elle n'a pas eue. Parce qu'on n'est jamais libre à Paris. Ici, dans les Vosges, vraiment, moi, je dis à ceux qui nous regardent, venez, parce que vos enfants seront les plus heureux. Et puis c'est très important, ça fera des adultes équilibrés. Des atouts de la ruralité dont il sera aussi question tous les soirs de la semaine prochaine, du lundi au vendredi, lors de conférences débat de 19h à 20h30 à Mirecourt, Bleurville, Saint-Michel-sur-Meurthe, Rauville-aux-Chênes et enfin au Giremont-Val d'Ajol. Quant à ce mardi soir à Épinal, trois grandes thématiques seront abordées au centre des congrès, la qualité de vie, la jeunesse et la culture. Des témoignages et des débats à suivre donc en direct sur notre chaîne à partir de 19h.